Si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Dédique à cette chanson, histoire de mettre les choses au clair. Manu, t'as pas vraiment raison, c'est plus de 60% de Français qui sont toujours du mécontent avec ce que tu nous racontes. Elle est où notre belle France? On est là. Qui nettoient pas bien leurs oreilles. Je parle bien sûr de tous ces gens qui bossent pour le ministère. Il va falloir que ça change, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Elle est où notre belle France? On est là. Colère contre la réforme voulue par ce gouvernement, voulue envers et contre tout, voulue contre la volonté des gens, non seulement ceux qui sont là, mais on sait que 70% de la population n'est pas d'accord avec cette réforme, ne veut pas de cette réforme. Voilà, c'est pour ça que je suis là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et c'est qu'il est temps de construire le rapport de force par la grève. Syndicalistes, nous ne sommes pas spectateurs passifs du grand cirque électoral. Quel que soit le gouvernement, les travailleurs n'obtiendront que ce qu'ils arracheront à la classe bourgeoise portée au nu par les amis Macron. Les élections politiques passent, nos revendications syndicales restent à satisfaire. Retraite, salaire, services publics, c'est sur ces sujets centraux pour la population que nous devons gagner et arracher des victoires au moment où le président de la République et l'alliance jusqu'à l'extrême droite cherche à imposer contre la volonté générale le maintien du cap libéral et autoritaire. Déjà, sans surprise, les effets d'annonce lancés par le Premier ministre Barnier annoncent une feuille de route d'une brutalité inouïe. Nos services publics sont au bord du gouffre. Dans les Côtes d'Armor, comme partout, à commencer par l'hôpital et l'école, ils sont gravement en danger. Une nouvelle et violente politique de baisse des dépenses publiques serait criminelle. Alors que le travail, la santé, l'éducation, la recherche, l'environnement sont des priorités vitales, le Conseil départemental des Côtes d'Armor décide de supprimer 60 postes, acceptant, de fait, la baisse de dotation de 40 millions d'euros. Les syndicats CGT, FSU, FO et Solidaires alertent sans relâche sur la situation inquiétante de nos EHPAD, de nos hôpitaux, de notre école publique, de notre aide sociale à l'enfance, qui sont en perpétuel manque de budget face à la hausse massive des besoins. Nous exigeons la réouverture des 46 classes fermées cette année, la réouverture des postes de remplaçants supprimés, l'ouverture de places en structures spécialisées. À l'hôpital, les personnels, avec nos syndicats, se battent pour la réouverture des urgences à Lannion, des maternités de Guingamp et Dinan, le recrutement de médecins nécessaires au maintien des services de santé et s'indignent des politiques stigmatisantes de contrôle des arrêts maladie. Les licenciements se multiplient dans l'industrie car les grands groupes continuent à délocaliser. Pourtant, les dividendes atteignent des records et chaque année, 170 milliards d'euros d'aides publiques sont distribués aux entreprises. Sur commande du patronat, MEDEF en tête, sous couvert de réduction de la dette, la politique de destruction systématique de nos droits sociaux reste avec la présidence de ce Premier ministre la cible antisociale à atteindre. Retraite, assurance chômage, sécurité sociale. Dans le même temps, tout augmente sauf nos salaires, nos retraites et pensions. L'État nous fait payer la note des cadeaux qu'il n'a de cesse de faire au patronat, à coup d'allègements fiscaux
et d'exonération de sa part de cotisations sociales. En parallèle de cette continuelle régression, la dérive autoritaire du pouvoir naturellement se renforce. Ce contexte délétère ne peut que favoriser la diffusion des idées réactionnaires, racistes, antisémites. L'attentisme ne saurait tenir lieu d'orientation syndicale. Nous sommes internationalistes. Partout dans les entreprises et les administrations, faisons grève pour obtenir l'augmentation de nos salaires et la fin des inégalités entre les femmes et les hommes. Mobilisons-nous pour gagner l'arrêt immédiat de tous les licenciements, la relocalisation et la transformation de notre industrie. Nous avons été des millions à nous mobiliser pendant plus de 6 mois contre la retraite à 64 ans. Emmanuel Macron a décidé de passer en force, mais a été sanctionné par une lourde défaite aux élections législatives. Nous pouvons donc maintenant gagner l'abrogation de la réforme des retraites. Nos mandants, les salariés de ce pays, les adhérents de nos organisations syndicales, n'en peuvent plus de subir la vie chère et l'austérité aggravée par l'économie de guerre. 413 milliards alloués à l'industrie de l'armement de 2024 en 2030, soit une hausse de 40%. Pendant ce temps, les fauteurs et profiteurs de guerre amassent des fortunes sur des monceaux de cadavres. L'intersyndicale des Côtes d'Armor, CGT, FO, FSU et Solidaire milite pour que tous les moyens soient donnés pour engager les processus de paix dans les conflits internationaux. L'intersyndicale des Côtes d'Armor, CGT, FO, FSU et Solidaire veut faire de cet appel à la grève du 1er octobre le début d'un mouvement étendu à tous les secteurs professionnels. Fixons le cap d'une grève générale pour faire plier Macron. Nous exigeons l'indexation des salaires sur les prix, l'augmentation des salaires et des pensions pour vivre de son travail et de sa retraite et réaliser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Abroger la réforme des retraites à 64 ans et revendiquer un retour à 60 ans avec 37,5 annuités à taux plein. Abroger la loi de transformation de la fonction publique et l'abandon du projet de loi Guérini. Abroger la loi hôpital, patient, santé, territoire. Abroger la loi pour le choc des savoirs. Améliorer les conditions de travail en rétablissant les CHSCT. Investir dans nos services publics sur tous les territoires. L'argent public, il est pour nous, pour nos services publics. Alors stop aux exonérations de cotisations accordées au patronat. Et enfin, réindustrialisons le pays en commençant par interdire tous les plans de licenciement en cours. Alors c'est maintenant qu'il faut peser et gagner. Ça ne sera pas possible que par un rapport de force clair et massif. Dès demain, organisons des assemblées générales et discutons de la reconduction de la grève dans les entreprises et les administrations. Il est temps de dire stop. Merci les camarades, merci. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On te dédique à cette chanson, histoire de mettre les choses au clair. Manu, t'as pas vraiment raison, c'est plus de 60% de Français qui sont aujourd'hui mécontents avec ce que tu nous racontes. Elle est où notre belle France? On est là. Pas bien leurs oreilles, je parle bien sûr de tous ces gens qui bossent pour le ministère. Il va falloir que ça change, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Elle est où notre belle France? On est là. Colère contre la réforme voulue par ce gouvernement, voulue envers et contre tout, voulue contre la volonté des gens, non seulement ceux qui sont là, mais on sait que 70% de la population n'est pas d'accord avec cette réforme, ne veut pas de cette réforme. Voilà, c'est pour ça que je suis là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Yeah.
Sont plongés contre les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée, le système n'est pas en danger. Nous on ne veut pas perdre notre vie à la gagner. Mais pour Macron, Borne et Macron, peu importe que les comptes soient bons, que cette réforme soit régression, ils veulent moins de dépenses publiques, soi-disant pour gagner du fric. Et c'est surtout troquer nos vies pour le profit des fonds de pension jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non, la retraite, il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec eux, c'est pas gagné. Les riches, ok, mais les précaires vont crever. Nous, on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous, on veut vivre, nous, on veut vivre. On a plein de solutions pour faire autrement. Et si par exemple on travaillait mieux et moins longtemps? Augmentation des petits salaires, un vrai système égalitaire pour les ouvriers, respect des pénibilités. L'égalité et la fin de la misère des salaires, leur permettre de travailler sans les bambins à s'occuper. Et pour tout le monde, jeune comme vieux, une retraite juste et solidaire jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non, la retraite, il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec eux, c'est pas gagné. Les riches, ok, mais les précaires vont crever. Nous, on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous, on veut vivre, nous, on veut vivre. Jusqu'au tombeau. 64 ans, non, la retraite, il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec eux, c'est pas gagné. Les riches, ok, mais les précaires vont crever. Nous, on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous, on veut vivre, nous, on veut vivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous, on veut vivre.